Dis-lui c'est fini. C'est fini. Dis-lui c'est fini. C'est fini. Dis-lui c'est fini. C'est fini. À quoi bougnon? Bougnonnez Jésus, aimez-moi. À quoi bougnon? À quoi bougnonnez Jésus, bougnon. À quoi bougnonnez Jésus, aimez-moi. À quoi bougnon? Pitié bougnonnez. Jésus, 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 aïe,
Famille est réunie ce soir. Est-ce que toute la famille est réunie ce soir? Est-ce que la famille Ourega Katia est là ce soir? Alléluia. Ok, je vais me diriger
vers celui qui a adressé l'invitation. Merci au prophète. Et puis encore, je lui demande des excuses. C'est moi seul qui sais pourquoi je demande ça. C'est Charles Nguessan, le neveu de Ourega. Bon arrivé, prophète. Merci. Amen. Amen. Nous allons maintenant profiter pour poser la question si vous l'avez créé. Alléluia. Amen. Voilà, on verra ce qui concerne l'arrivée du prophète. Pendant de l'eau d'abord pour donner au prophète, pour lui demander la main. Amen. Ça va en pleurer aussi. Dis ça va en pleurer aussi. Pourquoi vous l'avez invité? Ok. On va d'abord lui demander les nouvelles. Allez-y. On va en même temps. Oui, allez-y. Ok. Ok. Prophète, soyez les bienvenus. Ici, nous sommes à Zego. Sérieusement, nous avons des problèmes. Et que. En tout cas, le grand frère a souhaité que vous soyez là pour en tout cas consacrer en tout cas les familles qui est Katia et Ourega. Donc vous êtes là ce soir, on est vraiment très contents, ravis de vous voir. Donc pour cela, tout le monde est réuni ce soir pour vous accueillir. Sérieusement, on attend le prophète pour en tout cas consacrer nos maisons. Amen. Amen. Il s'agit d'un mal cruel qui sévit dans la famille. Ce ministère est le ministère de la délivrance. Je vais me diriger vers le serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasso, que je demande d'acclamer très fort, très fort. Thank you.
acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort? Doucement, faut pas, les gens vont te blaguer, vont te charger, tu vas vouloir attaquer le prophète,
toi-même là, on va t'enterrer. T'as compris? Je mets tous les sorciers des égaux en garde. Je vous mets tous en garde. Et celui qui croit qu'il est sorcier, parce que la sorcellerie n'apporte rien à l'Afrique. Vous voulez manger les gens, vous voulez les détruire. Je vous mets en garde. Celui qui dit qu'il est fort, qu'il sort de sa maison, vous venez juste essayer. Vous blaguez le monsieur, vous l'équipez, vous pensez qu'il allait faire tomber le prophète. Dieu est plus fort que la sorcellerie. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelqu'un juste à côté. Alléluia. Nous le louons. Nous le célébrons avant toute chose. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est Seigneur. Dis à quelqu'un, Dieu est merveilleux. Nous avons trop de Judas. Et nous allons parler à Judas ce soir. Jésus Adana Kangwale, Jésus Adana, 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 Jésus Adana, Jésus Adana, Jésus Adana, Jésus Adana, Jésus est merveilleux. Est-ce qu'il y a un sorcier ce soir qui est fort? Moi, je suis venu chercher sorcier pour le matraquer. C'est mon travail. Les pasteurs vous enseignent le retour de Jésus. Moi, je suis venu vous montrer qui vous mange. Et puis les mettre au pas. Chacun a son don. Moi, je suis là à cause de sorcellerie. Il y a un sorcier qui est fort ici? Vous venez tester. Vous babadez, vous blaguez le monsieur, vous le chargez contre le maréchal. Je te fais manger ta langue, tes fesses, tes oreilles, ton cerveau. Tu penses que je suis mangé dans sauce gumblé? Je suis malade ou bien? Yeah.
l'œil de Satan. Jésus s'est levé. On va pilonner Jabla.
Sur la maladie, il va donner la victoire sur la sorcellerie. On va pilonner, diable. On va pilonner.